Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Rider, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans l'épisode 18 sur Mantle Phoenix Rising, le DLC Dieu perdu. Ouais, c'est ça, Dieu perdu. Alors, direction la crypte, êtes-vous là-bas? Peut-être un peu plus fort en vrai. Car on doit aussi finir pas mal de cryptes pour le compte d'Hadès. Qui par la suite, normalement, si on fait toutes ces cryptes et qu'on l'aide, devrait venir nous aider. Sachant aussi qu'on doit aller trouver Estia plus Boré, je crois. Ça nous laisse pas mal de choses à faire quand même. Ah, est-on vraiment obligé de passer par là? On peut pas faire ça. Oh, ça marche! Ni vu, ni connu. Perfect! Attends, par contre, je vais juste aller. Y'a personne! Vous avez quelque chose? Moi j'ai vu. Hop! Quoi? Faut que j'aille là-bas, c'est vrai? Ah bon? Ok. Oula, il y a des codes corps. C'est bon, maintenant on sait nager, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ça me paraît bizarre que. Qu'en Grèce, il savait pas nager. Après, il devait y avoir certaines personnes qui ne devaient pas savoir nager. Il y a du monde comme ça, devant. Chercher quelque chose. Oui. Ça va être que des cristaux comme ça. Vous savez, moi je me suis dit. Ah bah, il y aura pas de jaune. There is nobody. Pardon. Châtiment d'Asclepios. Ah, c'est un niveau 3 en plus. Oh, misère. Quoi? Ah, je... Oui. Oh misère. J'aurais peut-être dû prendre la vie. La vie, la vie. Je peux sauter là-dessus. Ah d'accord, ok, d'accord. Et après il va aller défoncer la moitié, et après il va défoncer l'autre, et après il va défoncer encore l'autre. Doing. Doing, d'accord. D'accord, ok, très bien. Et là, il y a quoi? Un petit coffre. Bon, moi, ça c'est fait. On sait qu'il y a tout le temps un petit coffre. Nice. Is ok, c'est bon ça. Oui. Ça passe ou pas? Mais oui. Je vous jure. Allô? Bon, meurs. C'est ce que j'avais dit dans mon test du jeu en fait. Une fois que t'as laissé passer le truc, c'est mort! Comme ça. Faut pas faire autrement. Le jeu a été mal codé, c'est pas grave.
Faut sauter dessus, je présume, c'est pour ça qu'il reste, qu'il dure assez longtemps. I guess. Doing. Ça c'est du déjà vu, du déjà réchauffé, I guess. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Je sais pas comme ça. Je sais pas s'il fallait faire ça comme ça, en attendant c'est fait. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle encore notre truc. Je m'envole vers d'autres cieux. Ah, j'ai envie de faire une attaque. Ah bah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Bon bah, too late. Oh, il y a trop de vent. Je vais devoir revenir quand il sera calmé. De quoi, le vent? Ah ouais? Mais c'est bizarre. Hein? Comment ça? On va... Ah ouais, il y en a pas mal. Trouver des gros méchants, hein. Mais on est bien plus puissant qu'avant. Aussi. Et ouais. Non mais sans déconner là, tu me fais un double saut alors qu'il y a pas de double saut possible, je comprends pas. Misère. Merci. Il me fait un double saut alors qu'il y a pas. Voilà. Si. Easy. As. La masquoise. Aucune profondeur, c'est un truc de ouf, tu sais pas si tu vas toucher le haut, dans combien de temps. Bonjour. Ouais, il a pas mal. Merci. Surtout quand il fait des esquives en fait. Ah là, il a. Chiant. D'accord, c'est bien. Vous savez, mon petit plaisir, c'est quoi? C'est quand je vois rien. Ah, misère. J'ai gagné pas mal d'ombre de vie, mais j'ai gagné... Et si repop, NDR. J'ai pas autant gagné que ça de... d'orbe d'énergie. Un peu... ah, ils ont tout... ah ouais, tout le monde a repop en fait, c'est... Ça fait du slip. On va esquiver ça. Ah, bonjour. Tout ça, c'est ça? Ouais, bah ça sera sans moi, merci à tous. En vrai, plus ça va, plus ça va. Je me dis que je vais pouvoir continuer. Franchement, que je me suis posé les bonnes questions, que je me suis remis en question.
Faut toujours savoir se remettre en question. C'est... Que ce soit dans votre vie privée, mais surtout dans votre vie perso, si vous voulez un jour évoluer, faut savoir se remettre en question et savoir comment s'améliorer tout ça. Vous allez me saouler jusqu'à la fin de ma vie, c'est ça? D'accord, faisons ça alors. Mais j'avoue que c'est un peu compliqué quand même de se dire que... Ah ouais, tout le monde m'a vu, c'est la fête du slip quoi. C'est la fête dans mon slip, plutôt. Mais il y a des monstres partout, sans déconner, au secours. Foutez-moi la paix, bordel. Oh, ce DLC... On appelle ça le DLC, je vous casse les couilles. En plus, t'as beau les tuer, il y en a toujours qui reviennent. Bon, où est le gros méchant là? Pas là-dedans, j'espère. Where is the gros méchant? Hi, I'm looking for the gros méchant. Bonjour. Attention! Il y a grand méchant! Pourquoi il a pas voulu? Le pauvre. Cours! Garde-toi! Nom de Dieu! En fait, les ennemis les plus casse-couilles, c'est ceux qui ont un bouclier, quoi. Foutez-moi la paix! Ouh! Arc de Telchin! Deux secondes. Juste aller chercher les cristaux, là. Eh, hey, en parlant de cristaux. Oh. J'en ai besoin pour améliorer mon arme. Oh, oh, oh. Comme ça, on va pouvoir faire de plus gros dégâts. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas sprinter avec... Oh. Mmh. 900 ouais, il m'en faut à peine 500 de plus quoi. Je vais garder ça, comme ça j'ai boosté à mort mes armures, après je boosterai mon arc et après ma hache. La petite sauvegarde de l'amour. Et voilà, là maintenant on va pouvoir faire de gros dégâts. Alors, puissance reconstitution, poison. Reconstitution c'est bien en fait. Armure, poison, non mais... Ouais... Non... Arc des épreuves, bonjour. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Eh, hey, si je remettais... Fla. Non. Ah, la très jolie épreuve. Merci à tous.
Ah, je suis deg. Ah, je pensais que c'était un champ pipi. Ah, je pensais que tellement c'était un champ pipi. Ça, c'est un coquillage. Je m'en fiche. Dans le canyon? Qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui? Mais enfin, monsieur, c'est pas... C'est pas un endroit. Le seul hic, c'est que la caméra, c'est vraiment du caca sur 20, quoi. Mais bon. Maintenant, on fait plus de dégâts, on arrive plus facilement à faire des combats. C'est ce qui compte. Ce qui compte aussi, c'est de pouvoir aussi pas mal les esquiver. Quand même, c'est que c'est pas mal ennuyeux de tout le temps se faire des combats. Ah d'accord, elle fait encore un double saut alors qu'elle a fait qu'un saut. Ah mais sérieux, elle était là? On a le temps. On a le temps de faire un petit demi-tour, ma foi, fort sympathique. En essayant d'éviter un maximum les ennemis. Qui, pour le coup, servent à... Ouh ! Récupérer des champignons aussi. Et s'apercevoir que le jeu a été... expédié à une de ses vitesses. Enfin, que le DLC a été expédié, mon pote. Aïe, aïe, aïe. Oh, je pense qu'il y a moyen. Et c'est bizarre quand même que j'arrive à voir où est l'hôtel, alors que quand j'y étais, j'ai cherché pendant 1000 ans. 1000 ans et demi. Ouh. Wow. Bah alors. Sacrée fourchette à salade. C'est le trident de Poséidon. Il y fout là. Forgé par les Telkin, il lui permet de façonner les eaux et les terres. Il a l'air plus amateur de protéines que de salade. Eh hey, mais... Attends, les Telkin? Les choses qui ont essayé de me tuer? Ce sont d'excellents artisans, mais des voisins affreux. Ils font un truc avec l'eau du Styx, mais... ça ira très bien pour toi. Ah, oh, les doublages aussi, nom de Dieu. Pourquoi il est pas parti? Ah, il est là. Ça se voyait, bébé, 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 bébé. Bonjour. Faut vraiment que je récupère de l'endu, hein, parce que sincèrement, c'est. Ça manque. Et ça manque terriblement même. Il va falloir que je revoie un petit peu mes priorités. Parce que c'est vrai que la vie. Mais bon, j'ai pas débloqué encore tous les pouvoirs, donc on verra par la suite. Ah, les tentacules. Je partage pas vraiment la même. La même façon de. Décorer mon intérieur. Strange.
Mais pourtant j'y étais, pourquoi je l'ai pas découvert? Dieu, parce qu'il y avait trop de méchants. S'il vous plaît, veillez sur moi. Mais je dois bien l'avouer que c'est très joli. Hop. Comme ça tout ça se regardait. On va aller voir si on peut pas aller débloquer ça. Par la suite, aller faire la tête au carré. Oh méchant. Alors. Va falloir que j'aille chercher les trucs comme ça. Me dis pas que je dois aller chercher des trucs, sérieux. Ça serait fort contraignant. Mais tu le vois pas là, au-dessus là? Allô? Bon. T'arrêtes hein. Ah, il y a lui là. Effectivement, je ne couvre. En même temps, il manque de pouvoir, donc forcément. Je pense qu'il y a moyen que j'ai assez de temps pour aller lui casser la gueule. Let's go and fight too. Et eux ils risquent rien. Voyez où ça. Allô. Ah mais. D'accord. La grande max. Je suis pris la max mon gars. Putain mais... Oh my god, my god, my god... Allez dégage. Oh mais c'est pas possible. Vous allez me saouler jusqu'à la fin de l'éternité ou quoi? Allez. Ça dégage. Au secours. Oh! Des antennes! Ah,
Je te préviens, t'as intérêt à être gentil et pas de faire pop de monstre. Cordialement. Eh, ça y est, ça commence. Elle a dit merci. Oui, j'avais compris avec le contexte. Hein ? Elle a aussi dit qu'elle t'avait appris à faire un tour de nymphe. Ah, le nouveau pouvoir. Qu'est-ce que quoi ? De quoi pensais-tu que je parlais ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un gros, un méchant. Mais what the fuck, ça déracine. Quoi ? Mais ça sert à quoi ? Non mais. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Concentrer le pouvoir de sa nature sous la forme d'un puissant faisceau afin d'avoir la faveur des dieux représente des avantages. Jouer. Ah ouais, sympa. Comment ? Ah, il faut être dans un hôtel, excusez-moi. Merci. It's blue. Ça, par contre, on va t'équiper, mon pote. Tant pis. Bah écoutez, moi c'est quand même là-dessus que je vais arrêter pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter celui-ci comme d'habitude, toujours pour savoir votre ressenti. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour louper de nos aventures. En attendant, je vous fais des petits bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.